Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfucking bird, ah Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de TW 2016. On est la quatrième semaine dimanche de euh, février 99, c'est Super Brawl 9 ce soir! On a Davy Boy Smith et JJ Dillon qui vont quitter demain et Davy Boy va rejoindre la WWF. Donc, c'est pas fort, Davy Boy. Là. Ça va avec nos ennemis. Euh, on va voir la carte de Super Bowl ce soir. Diamond Dallas Page qui va défendre le titre intérim de la WCW contre Randy Savage. Et puis qui a laissé la chance à Savage et Savage a montré ses vraies cartes là, en payant des BAC et les services de Chronic pour l'aider tout au long du mois. Uh, Goldberg contre Scott Steiner pour le titre des États-Unis. Le plus gros challenge probablement de Goldberg là, uh, pour uh, son titre. Uh, Steiner l'avait attaqué à Soldat après son match. Et, et Goldberg va maintenant devoir affronter Steiner. En fait, c'est lui qui a voulu affronter Steiner uh, pour le titre des États-Unis. Et Bob Bagwell et Scott Norton sont banned from ringside. Uh, et on sait que Goldberg s'est fait attaquer par Ice Train là, uh, cette semaine aussi. Donc, peut-être une petite alliance avec Ice Train et les euh, Genetic Freaks. Les Faces of Fear vont défendre leur titre par équipe contre les Jersey Triads de Bam Bam Begalo et Canyon. On a les, euh, les Outsiders qui viennent de se reformer, qui vont affronter Sting et Rick Steiner en match tag team. Et après ça, on a 5 matchs élimination 4 contre 4, Survivor Series style. Et les gagnants de chaque match vont aller au Final Survivors Match à la fin, un petit peu comme il y a eu là, dans la WWF, je pense que c'était en 90, dans ce coin-là en tout cas. Euh, donc voilà, euh, les équipes, c'est l'équipe de la Hard euh, Dynasty contre Eddie Guerrero, les Trail Seekers et Rick Martel, euh, Booker T, Conan, Barry Windham et Disco Inferno contre les Four Horsemen, Ray Mysterio, Billy Kidman, Chavo Guerrero, Dean Malenko contre le Saturn's Flock, Raven, Michael Awesome et les Dudley Boys contre Stevie Ray, le disciple et Vicious and Delicious. Et le dernier match, Mongo, McMichael, Scorpio, uh, Cold Scorpio, Dan Severn et Ernest Miller contre les Fuji Fighters, donc l'équipe de Mr. Fuji. Donc on avance. Super Brawl. C'est intéressant, Super Brawl, ça. Donc on va être sur Sky Perfect et sur Time Warner, comme d'habitude. Clear the air avant le show. Et on se retrouve où, on se retrouve où? Euh, Mid Atlantic. On va aller dans le Mid Atlantic pour faire ça. Alright, donc on... Euh, Mid Atlantic, Mid West. Southwest, Tri-State. Ouais, Tri-State. On est dans le Tri-State, dans le coin de la WWF, là, leur donner un bon show là-bas. Alright. Euh, donc, on s'en va dans le Tri-State, on book ça et on se revoit pour les résultats. A tantôt. Alright, on est prêt pour Super Brawl numéro 9. On est devant 34 000 personnes au Tri-State. On a euh, 4 ou 5 matchs de pre-show, dont le premier match un triangle tag team match entre High Voltage, The Amazing French Canadians et Cyclope et Damien. Et ce sont les, euh, ce sont High Voltage qui vont gagner, lorsqu'ils vont éliminer euh, Damien et Cyclope en premier et les Amazing French Canadians. Donc victoire de High Voltage, ça donne un D+ à Chaos et Rage, c'est moins à Rougeau et Wallet. B+ plus à Damien et un C à Cyclopée. Calwell va améliorer ses technical skills avec ça. Ça donne un C. On a un six-man tag par la suite. Prince Aokéa, Lenny Lane et Evan Karajas contre Mike Sanders, Ice Train et Johnny Swinger. Et c'est les Heels qui vont gagner lorsque Mike Sanders va battre Prince Aokéa avec son 3.0. Euh, meilleure performance, c'est moins pour Kara et c'est moins pour Mike Sanders. Et on me dit que uh, Prince Aokéa, il y, uh, y a une gimmick style. Donc on va le noter. Le Prince. Euh, un singles match. Euh, Norren Smiley contre Tank Abbott de notre développement, le All Action Wrestling, le champion de l'All Action Wrestling déjà, Tank Abbott. Tank Abbott va battre Smiley avec un Pile Driver en 9 minutes 22. Ça donne un C-Tag Team Match. Jerry Lynn va teamer avec Stevie Richards pour affronter Orace Boulder et Lodi du Flock. Et euh, ce sont les faces qui vont gagner lorsque Stevie Richards va battre Oris Boulder avec le Stevie kick. Donne un D plus pour Stevie. Un C pour Jerry Lynn. Euh, un D pour Lodi et Boulder. Et Stevie Richards va euh, améliorer ses technical et performance skills avec ça. Et dernier match de pre-show, Jim Duggan va affronter Christopher Daniels de notre développement dans un match 1 contre 1. Donner de l'expérience à Daniels contre un vétéran comme Duggan, ça peut juste être bon. Euh, Jim Duggan va l'emporter avec son Running close line Tackle en 8 minutes 12. Euh, des moins pour Duggan et un C moins pour Daniels qui améliore ses performances avec ça. Euh, un C moins. On ouvre la carte avec un. 4-on-4 euh, Elimination, notre premier match élimination Donc la Hard Dynasty de Benoît, Davey Boy Smith, Jim Neidhart, Phil Laffont Contre Eddie Guerrero, Rick Martel et les Trill Seekers euh, Côté élimination, Chris Jericho va éliminer Phil Laffont euh, au, au début là, Avec un Lion Tamer, donc ça va être un 4 contre 3 Chris Benoit va éliminer Landstorm par la suite Avec un Diving Headbutt donc on va se retrouver à 3 contre 3. Euh, Rick Martel va euh, sortir Jim Nidart avec un dirty pin là, en tenant les culottes à Nidart. Euh, donc on se retrouve à 3 contre 2 pour l'équipe de Eddie. Et euh, Eddie Guerrero va être dans le ring contre David Boy-Smith. David Boy-Smith qui va prendre Eddie pour lui faire son, euh, son move, là, son running power slam. Euh, mais Jericho va prendre le pied à Eddie et pour, euh, pour l'empêcher. Et euh, finalement, Eddie Guerrero va euh, faire son frog splash sur, euh, sur euh, Davy Boy Smith. Et on va se retrouver 3 contre 1. Chris Benoit tout seul contre Eddie, Chris Jericho et Rick Martel. Et là, 3 contre 1. C'est difficile pour Benoit, bien sûr. Euh, Jericho, va, Jericho va être dans, dans le ring avec Benoit. Et là, Benoit va réussir à reprendre du poil là-bas. Jericho va taguer Rick Martel. Rick Martel va arriver et tout en arrivant. Benoît va, va l'enfermer dans son Crippler Crossface et Martel va abandonner. Et euh, par la suite, Jericho, euh, Eddie va rentrer dans le ring. Benoît va se battre avec Eddie. Euh, finalement, Eddie euh, va manger le diving headbutt, mais va dégager à deux. Va réussir à aller taguer Jericho. Jericho va arriver dans le ring. Et euh, Benoît va réussir à éliminer Jericho avec un roll-up. Et On va se retrouver un contre un. Benoît contre Eddie, le champion de la télé contre le champion Cruiserweight. Benoît qui vient d'éliminer le Martel et Jericho back-to-back. Pas back, un, un peu fatigué. Et euh, ça va se terminer lorsque Eddie Guerrero va monter sur la troisième corde pour le Frog Splash. Benoît va se tasser. Eddie va sauter à terre. Pas d'eau dans la piscine. Et euh, Benoît va juste cover Eddie par la suite après le Frog Splash manqué. Et euh, il va réussir à couvrir pour le compte de 3. Donc Chris Benoît va éliminer back-to-back back Rick Martel, Chris Jericho et Eddie Guerrero pour se qualifier pour. Le final Survivor's Match, donc victoire de l'équipe de la Hard Dynasty. Et Chris Benoit est le sole survivor. Euh, côté performance, Benoit B, la meilleure de son équipe. On a un B pour euh, Jericho et Eddie Guerrero. Euh, Benoit, Eddie et Davy Boy vont améliorer leurs performance skills. Davy Boy Smith, c'est sa dernière soirée avec nous. Il commence avec la WWF demain, le traître. Donc on commence avec un B. On va avoir les Tag Team Title Match par la suite. Et je comprends ça donne juste un B moins. Je pense qu'il plus que ça. Et là, 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 là. Mais ça va se terminer ce match-là, écoutez, Faces of Fear contre les Jersey Trials, on sait que les Jersey Trials, il y a eu de la avec Savage, avec Chronic, euh, tout le long du, euh, du mois. Là. Et euh, finalement, l'arbitre va, euh, va être amené au sol et Chronic va arriver et, et les deux membres de Chronic, Brian Adams et Brian Clark, vont attaquer Bam Bam Bigelow à l'extérieur du ring et ils vont faire un, un double team, là, un genre de double euh, power slam euh, ou Double Spine Buster briser la table des commentateurs et le Canyon va être tout seul contre les Faces of Fear et euh, les Faces of Fear vont faire leur finishing move, le Boot of Doom sur Canyon et les Faces of Fear vont gagner comme ça. Euh, ça va donner un B pour Canyon, B moins pour Bam Bam, B moins pour Barbarian et un B plus pour Mang. Je pense avoir plus qu'un B moins pour ce match-là, c'est un, un petit peu déçu, un petit peu déçu. Les Faces of Fear qui gardent leur euh, titre avec l'aide de Chronic qui sont venus attaquer Bigelow et là Canyon, le pauvre, 1 contre 2. n'a pas réussi à battre les Faces of Fear. Ça donne un B-. On a notre deuxième Survivor Series style match élimination. Il donne un B-. Je ne pensais pas avoir un B- dans ce match-là. Et euh, ce match-là, ce qui va se passer, euh, premier éliminé va être euh, Ernest Miller qui va se faire éliminer par Glacier. Donc Glacier qui va éliminer Ernest Miller. Euh, par la suite, Mongo McMichael va éliminer Kato avec un Mongo Spike. On se retrouve 3 contre 3. Euh, Juventud Guerrera va éliminer Mongo McMichael avec un 450. Donc 3 contre 2 pour l'équipe de Fuji. Euh, Two Cold Scorpio va éliminer Lapparca par la suite. Et là, on se retrouve 2 contre 2. Scorpio et Dan Severn contre Glacier et Juventud Guerrera. Euh, ça, ça va être un un contre entre Severn et Glacier. Et là, l'arbitre va être distrait. Et Fuji, encore une fois, va lancer le, le sel dans les yeux à Saverne. Et Glacier va pin Saverne de cette façon-là. Euh, Scorpio va être donc le dernier homme pour son équipe. Scorpio va, va euh, attaquer Glacier. Il va y en donner une bonne. Et Glacier va faire le tag à Juvie quand euh, Scorpio n'a pas vu le tag. Et euh, Glacier va y aller avec son crayon et kick sur Too Cold Scorpio, suivi d'un 450 de Juventude Guerrera. Et Glacier et Juventude Guerra vont être les survivors pour leur team. C'est donc dire que et Glacier et Juvie vont passer au Final Survivors match du côté des hills euh, Voilà. Donc Glacier, Glacier et Kato qui étaient off their games malheureusement. Côté performance, on a un C pour Scorpio, un C pour Severn du côté des Face. Euh, on a un B- de Juvie et un C de la Parka. C pour Glacier. Apparca va improve ses rumble skills donc bon petit match euh, Glacier et Jovi qui survivent les deux à ce match là un peu moins après ça backstage Bigelow et Canyon qui réussissent à trouver Brian Clark et Brian Adams backstage et là ils vont les attaquer avec des chaises ils vont les lancer dans les échelles dans les tables dans tous les objets en arrière être un brawl pour hommes et finalement, là, ils vont se faire stopper par les gardes de sécurité qui vont les escorter euh, dehors, là. Donc, euh, ils vont être euh, sortis, sortis du building, là. Euh, Donc, euh, Bigelow et Cannon qui remettent un petit peu la monnaie de leur pièce à Chronic. Ça donne un B. On a ensuite notre tag team match entre Sting et Rick Steiner qui vont affronter les Outsiders. Et euh, ce qui va se passer dans le match, c'est que euh, Sting va se faire faire un jackknife powerbomb de Kevin Nash en dehors du ring et passe à la table à rien, direct sur le ciment. Et là, Sting va être KO. Donc, Steiner va se retrouver un contre 2, bien malgré lui. Et Steiner va euh, finalement perdre euh, contre Scott Hall quand Scott Hall va lui faire son Outsider's Edge. Euh, et là, la caméra se retourne et Sting n'est plus là. Donc il est, on sait pas où il est rendu haut, mais il est plus là, et Rick Steiner là, qui est le pauvre se retrouve tout seul contre les Outsiders. Donc ça me donne un A, un excellent A. Et ce qu'on les des Kavanash, ça fait deux fois qu'ils se battent là, en équipe. Ça leur donne un A! Fait que écoutez, là, les Outsiders ensemble, je pense que c'est bon qu'ils soient revenus. Donc voilà, un A pour le match Kavanash qui improve ses skills techniques. Sting a eu un A, les Outsiders A, et C pour Rick Steiner. Uh, Rick Tanner va un petit peu tomber là, du haut de la carte là, pour s'en aller un petit peu euh, mid-carter pour aider peut-être plus nos jeunes. Uh, voilà, donc ça nous donne un A. Belle victoire, les Outsiders. On a encore une fois un match élimination Survivor Series style. L'équipe de Booker T avec Wyndham, Conan, Disco Inferno et Arn Anderson dans leur coin. Pour raconter les men de Flair, Luger, Enig et Alex Wright et euh, ça, va, ça va commencer tout ça. La première élimination, Booker T va éliminer Alex Wright en pas, pas beaucoup de temps. Le match commence, c'est Booker contre Wright dans le ring. Et Booker va tout de suite faire un bookend suivi d'un Harlem Hangover. Et Alex Wright est éliminé. Et là, ça commence comme ça. Arn Anderson est hors de lui. Il est bien content euh, du travail de Booker. Alex Wright déjà éliminé. Là, les Horsemen se retrouvent 3 contre 4. Euh, donc, ça va pas bien pour eux. Mais finalement, après ça, Kurt Hennig va éliminer Disco Inferno avec son Hennig Plex. Euh, par la suite, là, on va se retrouver 3 contre 3. Euh, ça va être Flair qui va être dans le ring et Barry Windham. Là, il y a un gros brawl qui va arriver. L'arbitre essaie d'enlever, de s'occuper euh, de, 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 de ce qui se passe. Et là, Arn Anderson va rentrer dans le ring, va être en arrière de Flair, va l'attendre pour faire son double, euh, son double A Spinebuster. Et Flair va euh, finalement juste donner un low blow à euh, Barry Windham et Arne Anderson va faire le spinebuster à Barry Windham pour betray Windham et Booker T et Ric Flair va piner euh, Barry Windham de cette façon-là avec l'aide de Double A. Donc on va se retrouver 3 contre 2 pour les Horsemen. Euh, par la suite, euh, Conan va avoir un petit peu de revanche. Là. Conan va être contre Luger et euh, encore une fois, l'arbitre va être distrait par Booker T qui essaie de rentrer dans le ring. Arn Anderson va attraper le pied de Conan. Et là, Luger va donner son, euh, son euh, close line là, avec son bras de métal sur Conan. Il va l'enfermer dans le rack à torture. Et Conan va devoir abandonner à cause du rack à torture. Donc, on se retrouve 3 contre 1. Booker T contre les 3 horsemen qui restent. Et là, Booker T euh, va donner une excellente performance. Euh, va être contre Va réussir à euh, faire son... Euh, Missile Dropkick, 1, 2, mais là, Ric Flair va arriver pour l'empêcher de faire le pin. Et à chaque fois que Booker pour faire un pin, les a sont 3 contre 1. C'est trop pour Booker. Finalement, Booker, T va se faire sortir par Ric Flair avec un Figure 4. Il n'y a plus personne. Et les Horsemen vont gagner. Flair, Luger et Enig, les 3 vont survivre à ce match-là. C'est donc dire qu'ils vont joindre Juventude Guerrera et Glacier dans l'équipe des Heels Donc il y a déjà 5 Heels pour un face. Euh, qui va rester. Ça me donne un B. Euh, côté performance, un A pour Conan et un A pour Flair, les deux meilleures performances. C'est bien. Wyndham va improve ses performance skills. Et on va tourner Arn Anderson. Arn Anderson qui va être le manager des Horsemen maintenant. Donc voilà, un B. On a l'entrée de Bill Goldberg par la suite. Goldberg qui fait son entrée, ça donne un A. Et on a le match entre Goldberg et Scott Steiner pour le titre des États-Unis. Et j'ai changé d'idée 3-4 fois dans ce match-là. Je voulais donner la belt à belt Steiner. Je voulais plus lui donner, je voulais lui donner, je voulais plus lui donner. Et finalement, Goldberg va conserver son titre lorsqu'il va battre Scott Steiner en 16 minutes 36. On sait que euh, Buff Bagwell et Scott Norton là, étaient banned from ringside. Donc, s'il allait être là, automatiquement, ça allait causer une disqualification pour Scott Steiner. Et à un moment donné, l'arbitre va être à terre et Ice Train va arriver. Et Ice Train va faire son train wreck à Goldberg. Et euh, Steiner va, va, va couvrir Goldberg 1-2, mais Goldberg va dégager à la dernière seconde. Et là, c'est le match euh, le, le plus difficile pour Goldberg depuis. Goldberg et Scott Steiner ont une excellente chimie ensemble, on sait. Euh, ils ont eu des, un, un gros feud là, pour le Heavyweight Championship pour vrai dans le CW. Finalement, Goldberg va réussir à, à, à se lever du Steiner Recliner par la suite et assommer Scott Steiner le contre le sol en sautant dans les airs. Il va y aller avec son Spear, Jack Hammer. Et Goldberg va finalement l'emporter en 16 minutes 36 avec son Jack Hammer. Défense de titre numéro 23 du titre des États-Unis. Ça donne un A. Malheureusement, il y avait un manque de psychologie, là, Goldberg et Steiner. C'était un match de brut. Mais bon, A. Oh, Goldberg qui retain contre Scott Steiner. Euh, donc bravo, Goldberg. Survivor Series match encore une fois un match élimination l'équipe de Raven Mike Awesome et les Dudley Boys contre Vicious and Delicious Stevie Ray et le disciple et euh, dans ce match là le premier qui va être sorti ça va être le disciple avec un 3D donc le disciple là, va se faire faire un 3D assez tôt dans le match euh, après ça euh, Stevie Ray va sortir Devon Dudley Scott Norton va sortir Ray Dudley avec son, sh son shoulder breaker et après ça, ça va être Mike Awesome contre Stevie Ray dans le ring. Et Mike Awesome va réussir à sortir Stevie Ray euh, avec son Awesome Bomb et là on se retrouve Raven et Mike Awesome contre Vicious and Delicious. Et ça va être assez, assez tight euh, mais en trichant là. Buff Bagwell va réussir à sortir Mike Awesome avec son blockbuster. Euh, voilà, donc le Raven se retrouve tout seul contre Norton et Bagwell et Raven ils vont faire des frequent tags Bagwell et Norton pour immobiliser Raven à un moment donné Norton va aller pour son shoulder breaker Raven va juste glisser va faire un school boy à Norton Norton est éliminé Bagwell rentre dans le ring boum coup de pied dans le ventre boum DDT tout de suite 1, 2, 3 Raven va éliminer Norton et Bagwell en à peu près 5 secondes pour se qualifier pour le final survivors match donc Raven qui va joindre Chris Benoit du côté des faces. on a toujours 5 heal là Flair, Enig, Logger, Glacier et Joventud qui se sont qualifiés déjà. Il nous reste un match de Survivor Series. L'équipe de Remister contre l'équipe de Saturne qui s'en vient. On a une meilleure performance B+, pour Raven. On a un B- pour Buff Bagwell. Et c'est à peu près ça. Uh, Buff Bagwell qui va améliorer ses techniques et le disciple ses Rumble Skills. Donc voilà, ça nous donne un B. On a une promo de Randy Savage qui va hyper uh, le match là. Euh, avec euh, DDP, DDP il dit là, là il dit, tu joues dirty, tes goons là, du Jersey Trials ils ont sorti Chronic de l'Arena. Il dit là, c'est one-on-one. Il dit de toute façon, dit, tu sais très bien que j'ai pas besoin de personne pour te battre. Il dit ce soir c'est la résurrection du macho madness et euh, tu peux rien pour attendre. Tu vas en manger tout une. Et euh, je vais reprendre ma place au top de la WCW. Un A pour Randy Savage, Belle promo. Et le dernier Survivor Series match élimination, Rey Mysterio, Billy Kidman, Chavo Guerrero et Dean Malenko vont affronter le Saturn's Flock de Saturn, Humorous, Sick Boy et Hammer. Et euh, j'avais à voir là-dedans, mais Cronus est, on ne l'a pas signé à temps malheureusement. Euh, ce qui va se passer dans le match, c'est que Malenko va sortir Sick Boy au début euh, avec sa prise euh, de son, euh, une soumission, Texas Clover Leaf. Après ça, Billy Kenman va réussir à sortir Hammer avec son Shooting Star Press. Et là, on va se retrouver 4 contre 2 pour les Faces. Il reste juste Saturn et le gros Hugh Morris. Et euh, euh, ça va être Saturn contre Chavo. Et Saturn va réussir à sortir Chavo avec un Dead Valley Driver. Kedman va rentrer. Saturn va réussir à sortir Kenman aussi. Euh, donc, deux éliminations pour Saturn. Là, on se retrouve Ray et euh, Dean Malenko contre Saturn et Hugh Morris. Et finalement, Rey va réussir à sortir Hugh Morris. Saturne va réussir à sortir Malenko. Donc trois éliminations pour Saturne. Et on se retrouve one on one, Rey Mysterio contre Saturne. Et euh, Rey Mysterio va sortir Saturn avec son West Coast Pop, mais toute une performance de Saturne qui va sortir tout le monde de l'équipe des Faces, sauf Rey Mysterio. Donc Rey qui va se joindre à Chris Benoit et Raven pour affronter Rick Flair, Kurt Henning, Lex Luger, Glacier et Juventude Guerra dans le main event. Euh, Je décide de mettre le Final Survivor's Main Event après le Title Match. Côté performance, un B pour Saturn, un B pour Mysterio et un B pour Malenko. You qui va improve ses performance skills avec ça. Hammer et Sick Boy, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, le Saturn's Flock, depuis que Vader est parti, c'est juste Saturn. Hein. Les autres, c'est tout des D+. Des, des les, les meilleurs sont partis. Là. Raven, Kidman et, et euh, Vader. Fait que. C'est ça qui est ça. Mais là, on a Cronus qui va, qui va les joindre. Ça, ça va sûrement les aider. un b On a maintenant DDP qui va faire sa promo. Qui dit, ça va, tu fais ton fin fino, là Il dit, euh, tu sais que j'ai ton numéro. On a déjà eu une rivalité ensemble. Et c'est moi qui en étais sorti gagnant. Il dit, là, là, c'est mon temps. C'est my time. C'est moi qui est au sommet. C'est l'adresse de c'est C'est l'adresse de DDP. C'est moi le champion. Et, et là, euh, pour ce que tu as fait, tu vas payer. Et là, euh, les Jersey Trials, là, ils ont juste remis la monnaie de leur pièce à Chronic. Euh, donc voilà, ça va être un contre 1 dans le ring. Pas un contre 3, pas 2 contre 3. 1 euh, un contre 1, A+, pour moi, de DDP. DDP va prendre son entrée. Ça va donner un petit B+, juste un B+, pour l'entrée de DDP. Il n'est pas encore aussi over là, que euh, Flair, Savage, Bret quelque chose du genre. Là. Ou même Goldberg. Fait que son entrée, écoute, c'est moins, moins hot, mais un, quand même un B+. Et là, le match de Savage contre DDP, ça va me donner un A. Oh, ça va se terminer à 25 minutes 39. Euh, Savage va avoir le contrôle, le pas mal tout le match. Euh, DDP va réussir à reprendre le contrôle. Euh, finalement, Savage, à un moment donné, DDP va y aller d'un euh, close-end à Savage. Savage va se baisser, le close sur l'arbitre. Savage va donner un bon coup de pied sur le genou à DDP et va y en donner tout un va se préparer pour sa descente du coude, va faire la descente du coude, va faire le pin, l'arbitre se réveille, 1 2 et DDP va dégager du diving elbow drop, mais il faut dire que euh, l'arbitre était dans, tu sais, il a peut-être pris un 3 4 secondes de plus pour faire le compte. Savage est frustré, Savage va puncher l'arbitre d'en la face et il va aller chercher la cloche à l'extérieur du ring. Il va donner un coup de cloche sur la tête à, sa, à à DDP, le DDP va être bust open, DDP va saigner comme un cochon. Et là, Savage va donner. Euh, DDP va se relever un autre coup de la cloche. L'arbitre s'est relevé. L'arbitre va disqualifier Randy Savage. Et là, Savage, il a pas fini. Il va donner. Il va euh, étamper Savage à terre et il va monter sur la troisième corde avec la cloche. Il va faire comme une la genre de diving elbow drop mais avec la cloche dans le coup à DDP. Et là, DDP qui euh, panique là, il peut plus respirer. Et Savage va se faire chasser là par plein de lutteurs. Par Jack Tony qui va, qui va arriver, tout le monde va arriver et euh, Savage va se faire chasser. DDP va sortir sur une civière. là Et euh, DDP va faire la défense numéro un de son titre intérimaire. Mais là, à quel, euh, à quel point ça y a coûté cher. Et donc Savage qui euh, devient fâché. Là. Le madness est back. Là. La descente du coup de la cloche dans ça ça Fait pas de bien ça là. Donc un A. Les deux gars ont eu un A quand même. Seule pénalité, c'est Savage pour Declining a Physical Ability, mais c'est Macho Man. Un a On a une promo par la suite de Ric Flair, Lex Luger, Kurt Henning, qui sont là avec euh, Glacier et Juventude Guerra. Ils font une petite promo, Juventude puis Glacier, ils ne parlent pas, ils font juste rester en arrière avec Mr. Fuji. Et là, Flair, Arn Anderson, Luger et ils sont en train de célébrer. Ils célèbrent déjà leur victoire. Ils ont les bouteilles de champagne ouvertes. Et là, c'est les Horsemen, Glacier et euh, Juviesight. Une petite facile là, à 5 contre 3. Donc voilà, ils sont bien, ben, euh, bien, bien ben confiants. Un A. Et dans le match pour la finale, les Final Survivors Match, euh, Chris Benoit va commencer dans le ring contre euh, Lex Luger. Manny Lex Luger va racheter Benoit à l'extérieur du match. Et là, Luger va... Il va commencer à parler à l'arbitre. Et là, Eddie Guerrero va sortir, sortir du, du bac avec une chaise. Il va donner tout un coup de chaise en arrière de la tête à Chris Benoit. Il va y donner 3-4 coups de chaise à Benoit. Et Benoit va se faire tentes de cette façon-là lor, lors d'une attaque sauvage d'Eddie Guerrero. Eddie qui ne l'a pas pris de se faire éliminer par Benoit à la fin. Et euh, donc, Benoit qui se fait tentes de cette façon-là. Et là, c'est un 5 contre 2 à cause de ça. Ray Mysterio, on va continuer la rivalité entre Benoît et Eddie, là bien sûr. Euh, Ray Mysterio et Raven se retrouvent 2 contre 5, imaginez-vous donc. Et euh, là, ça, ça, ça va être des frequent tags, la touch du côté des. Ils vont, avoir le, ils vont avoir tout le temps le dessus, c'est sûr, à hein, 5 contre 2. Euh, finalement, à un moment donné, Ray Mystery est là. Juventude Guerra va monter sur la troisième corde, faire son 450. Ray va réussir à shaker les cordes. Juventude va tomber. Ray va faire son West Coast Pop à Juve. Et Juventude Guerra est éliminé. Donc, première élimination euh, chez les Heels, Donc, il reste Glacier et les Horsemen. Euh, Lex Luger va rentrer, va donner tout un close in à Ray Mystery, qui va faire 2-3 pirouettes. Luger va mettre Ray dans son rack à torture. Et Ray Mystery va abandonner. Et là Raven qui se retrouve tout seul contre Glacier et les trois Horsemen. Et là, les odds sont pas bonnes pour Raven là. Hein? Et euh, finalement, euh, Raven va se faire malmener là, par tout le monde. Euh, Glacier va arriver dans le ring. va se préparer pour son Crown kick. Raven va dock le kick. Coup de pied dans le ventre à Glacier. Even flow DDT. Boom. 1-2-3. Raven va sortir Glacier. Kurt Hennig va arriver dans le ring, va prendre euh, Raven pour faire son Enigplex Et R Raven va counter avec un small package. Et l'arbitre va compter 1, 2, 3. Donc en 7 secondes, le Raven va éliminer Glacier. Et Kurt Hennig, Lex Luger, va arriver dans le ring, va donner son clothesline à euh, Raven. Et le Raven, 1 contre 2. Euh, il va, euh, ça, 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 ça va aller mal pour Raven, le pauvre. Et finalement, Raven va se faire sortir lorsque l'arbitre va, euh, va être pogné avec. Euh, avec Rick Flair, Arn Anderson va faire son Double, double A Spinebuster à Raven. Lex Luger va mettre Raven dans le rack à torture, va le laisser à terre. Et le Ric Flair va juste faire la prise en quatre à Raven. Raven est unconscious et l'arbitre va sonner la cloche. Donc les Four Horsemen, Glacier et Juventude Guerrera qui sont déclarés gagnants de son Final Survivors match. Les deux Final Survivors étant Rick Flair et Lex Luger. Donc, victoire des Heels. Benoît a été attaqué au début, sorti, de, de, sorti du match par Eddie Guerrero. Euh, Rick s'est permis un pin. Raven qui a paru fort là, en éliminant deux, deux membres de l'équipe des Heels. Mais ça finit avec Ric Flair et Luger qui célèbrent dans le ring avec le champagne. Kurt Hennig était là, venait juste de se faire éliminer, va célébrer avec eux autres. Et voilà, on finit avec un B. La fond a été trop utilisée <laughs> et on a monté notre popularité dans 22 régions. C'est sûr qu'avec autant de matchs Survivor Series là, qui était peut-être beaucoup de gars de mid-card, ça l'a pas aidé notre cause, mais quand même. Un B plus. Puis moi j'ai bien du fun à faire ça. Un euh, petit Final Survivor's Match. Donc voilà. On va peut-être faire une tradition de Super Brawl avec ça. Là. On va voir. Euh... Donc voilà. On va faire un speech. Euh, Je pense que ça avait son A. Uh, DDP aussi deux qu'on veut garder bien content et Kevin Nash là qui donne un A plus depuis qu'il est 14 je pense que ça mérite d'être souligné on va souligner ça ça avait j'ai content les plus content Nash est content ben oui tout le monde est content quel pay-per-view JJ Dillon est parti Et là, Rock, continue leur signature. Notre show était awesome. On a eu des reviews fantastiques. C'était fantastique, là, notre show hier. Oh, boy, il se passe bien des affaires. Puis saint c'est de retour de sa blessure. Ok. Oh, on a battu le WWF dans le marque de la National Battle. Ok. Euh, Bret Hart, il demeure maintenant dans le Southeast. Lenny Lane demeure dans les Grands Lacs. Phil Lafont demeure dans le Southeast. Davey Boy Smith est parti. Pour rejoindre la WWF. JJ Dylan est parti, son contrat est fini. Riffler qui dit que et Lane ne connectent pas. Madoussa, 46 jours, parti en maternité. Psycho 6, Lower Mid Carter. Donc le retour de Psycho 6. All right. Bon ben c'est Nitro ce soir, écoutez on va se laisser là-dessus là, pour euh, ce qui est du pay-per-view. Merci d'avoir été des notes. On a un bon pay-per-view, c'est le fun, les petits Survivor series match, le Final Survivors. Euh, LDP qui garde son titre, mais à, à quel coup, là, ça a coûté cher de garder son titre. Goldberg va garder son titre contre il Steiner. Je voulais faire gagner Steiner, mais je, je sais plus qui c'est qu'il faut qu'il y ait le hand de Fated Street de Goldberg. C'est dur à dire. Uh, Faces of Fear ont gardé leur titre contre les Jersey Trials à cause de Chronic. Uh, et uh, les Outsiders ont battu Sting et Eric Steiner. Sting qui a disparu à la fin du match. Donc on va essayer justement de, de mettre plus d'autres visage en donnant un petit peu de time off à Sting et DDP, entre autres. Uh, donc on va voir ce qui va se passer uh, dans la prochaine vidéo à Nitro. Donc merci d'avoir été des notes et on se voit pour Nitro dans la prochaine vidéo. à bientôt!